Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, tous ces héros sans patronyme, tous ceux qui n'auront jamais d'hymne, ce que l'histoire a vu passer, que la mémoire a effacé, qui n'ont pas jugé nécessaire d'en faire tout un anniversaire. À tous ceux qui se donnent, à tous ceux qui se donnent, hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes. À tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su. Je veux offrir ces quelques phrases à ceux qui passent et puis s'effacent, aux inventeurs de jolis mots, morts de les avoir chantés trop, à ceux qui courent dans les secours, qui dans les nuits donnent le jour, à ceux qui s'éteignent dans les flammes, sans drapeau et sans oriflamme, à tous ceux qui se donnent, à tous ceux qui se donnent. Hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes, tous ces faiseurs d'humanité, effacés par l'humilité. Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, à tous ces héros quotidiens, pour un sourire ou pour un rien, à toutes ces personnes qui nous laissent tant d'espoir dans de simples gestes, et puis aussi enfin à toi, toi qui fais tant et qu'on voit pas, à tous ceux qui se donnent, à tous ceux qui se donnent. Hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su. Magnifique chanson accompagnée par la chorale des sapeurs-pompiers. Une chanson qui pourrait leur rendre hommage aussi, puisque ce sont des héros, et puis nous, nos héros, merci. Patrick, eh bien, ce sont ces enfants, ces familles et ces chercheurs surtout, qu'on appelle des trouveurs maintenant, puisqu'ils trouvent et qu'ils proposent des solutions. Bravo pour cette magnifique chanson. Merci, c'est une chanson qu'on a écrite il y a 5 ans avec Paul École et qui prend sans cesse un nouveau sens. Comme il l'a pris pendant le début du confinement avec le personnel soignant, comme il le prend à chaque fois qu'on pense à tous ces gens qui font des choses pour les autres, que ce soit nos instituteurs, nos chercheurs, nos forces de l'ordre, nos pompiers. Et je suis ravi de pouvoir rendre hommage aux pompiers à travers cette chanson. Ces pompiers qui font tout le temps pour tout le monde et qui parfois sont victimes d'agressions totalement absurde, enfin, c'est quelque chose qui me choque énormément. En tout cas, je suis ravi, en tout cas, de pouvoir associer cette chanson à vous ce soir et merci. Votre courage. Merci beaucoup. Colonel Grégory Allion, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, ça fait 34 ans que vous êtes là, fidèle au poste, que des milliers de pompiers se mobilisent partout en France à l'occasion du Téléthon. Oui, le Téléthon, depuis 34 ans, comme vous le soulignez, ça nous rassemble parce qu'en fait, finalement, ça nous ressemble. Valeur d'altruisme, du don de soi, de l'engagement. Finalement, le Téléthon, c'est une journée comme toutes les autres. C'est pour les autres que nous le faisons, comme nous intervenons toutes les 7 secondes en France. Et ce Téléthon particulier, parce que les conditions sanitaires n'ont pas pu nous laisser nous exprimer sur le terrain comme nous le faisons habituellement, mais un Téléthon... Mais un Téléthon particulier, parce que finalement, ces conditions sanitaires nous permettent encore plus de rencontrer les gens via les réseaux sociaux, via les animations que nous avons créées. Et cette, finalement, chorale qui était derrière vous, Patrick, symbolise tout l'engagement des sapeurs-pompiers. C'était magnifique et je les en remercie un par un. Et alors, en général, on est bluffé par le montant que vous nous proposez à cette heure-là de la journée, voire plus tard. Alors, on n'y croyait pas cette année.
On n'y croyait pas parce que, comme je le disais, que ce soit en métropole ou en Outre-mer, parce que même la Nouvelle-Calédonie, près de 400 km pendant 30 heures, ils se sont tous dépassés. On pensait faire très peu et en fait, on est arrivé à 400 000 euros. 400 000 euros, impossible n'est pas un mot que nous tolérons ici au Téléthon. Les pompiers le démontrent. Merci. Et bravo à tous. On parlait des héros du quotidien, des personnels soignants. On vous dit depuis le début de ce Téléthon que les progrès de la recherche rejaillissent sur d'autres maladies et notamment sur les vaccins qui seront bientôt sur le marché. On va utiliser pour ces vaccins des techniques de thérapie génique. C'est vous qui avez permis à ces thérapies d'exister grâce à vos dons. Donc il faut que nous continuons tous ensemble. Patrick, un autre témoignage en tant que papa, très important pour toi ce soir. On va le voir à travers la chanson que tu vas nous proposer. Bien sûr, je vais le faire après, mais je suis très content d'être là. Très content, et puis très content que Matt soit parrain, parce que c'est un garçon extrêmement généreux, et je crois qu'il vit, parce que j'ai été parrain, et on vit quelque chose d'extraordinaire. Tu vis un moment formidable. En 2013, hein, toi, c'était en 2013. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de se dire que on n'est pas parrain pour rien. On ne fait pas tout ça pour rien. Et c'est vrai que c'était en 2013 et que depuis 2013 et depuis bien avant, il y a tellement, tellement de progrès qu'aujourd'hui, les résultats, et je pense que ça va être les bonnes surprises de cette soirée, vous allez avoir à quel point les résultats sont tangibles et à quel point cet argent que vous donnez depuis des années pour cette cause, c'est très concret. Et vous allez avoir ce soir, je crois, on va vous montrer les progrès qui ont été faits. C'est vertigineux et ça continue à l'être. Dans une année aussi difficile que celle-là, où il est si difficile de demander aux gens, une fois de plus, de faire des efforts, Matt le disait tout à l'heure, un petit don, c'est pas grave, c'est bien. C'est bien. N'ayez pas honte de donner un tout petit peu, même si c'est un minimum. Un minimum, c'est déjà formidable quand c'est merci. Multiplié par des tonnes. Merci. Vraiment, merci très important. Patrick. Prenez exemple sur les pompiers, mobilisez-vous sur le net, sur téléthon.fr. Patrick, on a hâte de vous écouter. Déclaration d'amour à vos fils et j'imagine que vous pensez très fort à tous les pères qui sont ici, dont évidemment. Les enfants sont atteints par une maladie. Mais voilà, mais il y a un lien qui est indéfectible entre un papa et ses enfants. Et ça s'appelle le fil. Ça s'appelle le fil. On vous écoute. Merci Patrick. Merci aux pompiers. Bravo. Merci à vous. Dire qu'hier encore j'ai vu grandir ton petit corps qui veut s'enfuir dès qu'il a tort. Moi qui t'ai appris à tenir sur tes deux guiboles, tu me voyais comme une idole. Mais aujourd'hui j'avoue, tu m'étonnes, tu me défies, t'en fais des tonnes. Tu joues alors. Car moi je me sens dépassé par les événements dans ma mémoire. T'es qu'un enfant. Ne perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Tu sais, je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Mais sache à quel point je suis fier de toi. Lorsque l'on s'engueule dans cette épreuve, les parents seuls font ce qu'ils peuvent, pas ce qu'ils veulent. Oui, ne t'en fais pas, ton père aussi fait des folies, tu en feras, tu verras. Encore une année et tu seras plus fort que moi, plus élancé. Regarde-toi dans le grand miroir qui aura vu passer l'histoire de nos débuts à ton départ. Ne perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Tu sais, je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Mais sache à quel point je suis fier. Tu sais, je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat.
Mais sache que je suis tellement, tellement fier de toi. Tellement fier de toi. Tellement fier de vous. J'en ai deux. Merci beaucoup. Merci. Patrick, viens me rejoindre. Viens me rejoindre. J'en ai deux, c'est une conclusion évidemment à cette chanson. Mes deux enfants, Oscar et Léon, qui j'espère nous regardent. Aucune autre allusion. Eh ben, allez-y les enfants. Même de l'étranger, vous pouvez évidemment aller sur téléthon.fr et faire des dons. L'album DVD est sorti, 1 million de spectateurs. Et puisqu'on parle de fil, vous le savez aussi, vous pouvez faire vos enchères dans cette tombola. 2 places de concert, VIP pour assister au concert de Patrick Bruel, mais surtout assister aux répétitions et à une rencontre privée. C'est une proposition de partager la vie de tournée à partir de 16-17 heures quand on arrive à la salle. Ouais. Assister aux répétitions, ensuite rester avec l'équipe, peut-être éventuellement dîner avec tout le monde et puis ensuite aller voir le concert. Et te voir après aussi avant ou après, mais super, voilà, très avec bien. Plaisir. C'est pour partager ça. C'est un... Je vais faire la vanne. Le fil, il y a le coup de fil. Tu peux répondre au téléphone ? Mais il y a bien sûr. Super. Alors, il y a un casque propre, désinfecté qui est là. Voilà. Tu t'installes, tu réponds, mesdames et messieurs. Vous appelez le 3637. Allez, je suis là pour un petit moment. C'est gentil. Vas-y. Et Patrick Bell, je prends votre place alors. Réponds au téléphone. C'est une chance.